Ouais. Ah, Enkil en ligne. Qui ça? Enkil, c'est un des premiers du serveur. Mais de quel C'est Atelier? Genesis. 27 000? Oui, c'est un des premiers du serveur. Ok, d'accord. Et 27 000 de puissance? Staff 45, médaillon de gladiateur. Ouais, niveau 51, 27 000 de Ni puissance. 10 de niveau de gemme de rune. C'est pas le premier encore, hein. C'est Nitrox le premier. Nitrox ou Hysteria, je crois, ils se tirent la bourre à deux. Ah, ça y est, la guerre est dispo. Guerre de guildes! Contre les Slayers, les Slayers, on se bat pour la 5ème à la 8ème place. C'est ça. Bon. Même si on perd, on peut être 7ème ou 8ème. Sachant que la Katsuki et Shinra sont derrière Slayers, là on affronte le plus dur Ouais, des trois. la plus forte des trois. Ouais. Donc, Donc il reste 4 minutes. I'm coming! Je vais commencer à enregistrer maintenant. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo découverte pour vous parler un peu plus de Demon Slayer. On va se tourner vers ce qu'est la guerre de guildes. En fait, c'est un espèce de football américain touchdown versus League Mais of non, Legends. ce serait plutôt un MOBA, je dirais. C'est un MOBA. Voilà. Ouais, parce que c'est prise de tour et faut défendre, Tout à fait, en je suis en fait. compagnie de Cartoon Pitché, de Daltonix en Et Imhop. vocal et du reste de la guilde. Que vous pouvez apercevoir ici. Oh, il y a Akinori, ça fait longtemps qu'elle s'est pas connectée. Oui, c'est clair. Shaya, Capsquash, Vicious Ice qui est là, Gardien Slay, il y a les autres qui vont arriver, la guerre de guilde démarre dans 3 minutes 40. Donc comment se dispose la guerre de guilde? Un peu comme un MOBA, vous voyez là, il y a notre tour d'enchantement, il faut aller péter la tour d'en face. Quand on est assez haut level, on peut péter la tour d'enchantement. Nous, on n'est pas assez haut level, on n'est pas assez nombreux pour péter la tour d'enchantement. Et donc, ce que nous devons faire pour marquer des points, c'est tout simplement prendre des tours qui sont sur le champ de bataille. Il y a 4 tours à prendre. Quand on prend les 4 tours, on marque 75 points toutes les 30 secondes. Quand on en prend 3 tours, on marque 58 points et eux en marquent 15, et ainsi de suite. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de maintenir les tours. Les Slayers qu'on va affronter sont techniquement, logiquement, dans le score aussi forts que nous. Non, plus en puissance de guild, ils sont au-dessus. C'est très léger, c'est Ah, très léger, non? 900 000. Ils ont 900 000! Nous, on a 2 millions et des poussières, 2 millions 200 000, et eux, ils sont presque à 3 millions. Attends, que je vérifie, mais. Non, tu racontes. Non, tu racontes. Les Slayers, ils ont 296 000 et mais nous, nous avons 277 000. Voir. On a 20 000 de retard. Mais vous allez où pour voir ça? Bah, dans le ranking, toi, à côté de la planète ou du planisphère, t'as le truc palmarès. Tu vas sur palmarès, tu vas dans puissance. Ah, dans 287. Ah non, mais faut pas aller dans puissance, aller dans niveau Ah de guild. non, ils sont juste à vous, ils sont juste au-dessus. Oui, non, le guild, le... c'est différent. Niveau ah, de guild, c'est des points de construction. Ouais, et puissance, la c'est force de combat. Ouais, mais niveau de guild, c'est plus. Donc tu vois, oui, mais non, c'est. Non, ils sont Slayers, juste 8e. Ah oui, ils sont 8e avec 300 000 points et. Ah oh, bah ça va, on a 277 000 points, ils ont 296 000 points. Ouais, et Slayers, ça a perdu des places d'ailleurs dans le ouais, classement. C'est jouable, c'est mieux placé que ça. C'est vraiment jouable, c'est vraiment. Ça veut dire qu'on est la 9ème guild du serveur? Ouais, c'est ça. Eh, pas mal, donc vous pouvez rejoindre la guild. Hein. Bah merde, Capsquash il parle en coréen juste pour se la péter. Il veut les faire fuir en parlant coréen, c'est ça? Fire la Corée. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez nous rejoindre. Ce qu'il faut savoir sur Demon Slayer, c'est qu'on atteint le niveau 30. En 3 jours, on atteint le niveau 30. Ça va très très vite jusqu'au niveau 30 et après ça stagne au niveau 30. Et non, on peut. Non, on peut... ah oui, Soul. Soleil au G. Voilà, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Dalton et Cartoon parlent coréen. À force d'écouter Sonia Shide et Il est OK le perroquet et tout ça, il parle coréen. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah vas-y, vous m'avez coupé dans mon élan. Sans zoophile. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a une petite chance contre les Slayers. Oui, si vous voulez jouer au jeu, on est sur le serveur 6, Kerithlian. Franchement, les 30 premiers levels se font les doigts dans le nez. Et on s'amuse très très bien, on s'amuse très très bien. Même vous ne vous dites pas, oh, je vais avoir du retard et tout. La guilde est ouverte à tout le monde. On a actuellement 42 personnes dans la guilde. Et ça s'annonce très bien.
Ah, Yohan est revenu, je crois. Yohan. Yohan, je suis en train d'enregistrer pour la vidéo sur YouTube. Yeah, bonjour tout le monde. Donc Yohan, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le frère jumeau de Cartoon. Ouais, dis Rameau, parce qu'ils vont le prendre pour un... Ouais, non Rameau, ouais. Son vrai pseudo, c'est Ramolus. Et c'est le frère jumeau de Cartoon. Ils ont partagé... Ils ont partagé le même utérus. Ils ont partagé la même fiche de création de perso au début. Et donc la création de perso, j'ai aucune idée de combien ils sont en face, on va voir, puisqu'ils n'ont pas parlé dans le chat actuel. Donc j'ai aucune idée, Sarah. Non, attends, faut attendre. Là y est, c'est parti. Non, si, c'est parti. On se déplace ensemble. Hein. Ouais, on se déplace ensemble, je vais partir en haut moi. Moi je pars en bas. Si Shaya part en haut, faut partir en bas. Hein. D'accord. Elle part en bas, Shaya. D'accord. Elle part en bas. Bon bah par en bas, je vais partir en haut. Ouais mais attends, elle est toute seule à partir en haut. Ouais, bah vas-y monte. Tiens. Ouais, je vais monter pour au moins prendre les premiers points de la première tour. Monte. Oh Jésus, j'ai cru que c'était déjà un ennemi qui venait. Je suis merde, qu'est-ce qui vient d'en haut. Bon, pour l'instant, on mène. Oh Christophe. Non, mais si. Fais gaffe, je sais que chez les Slayers, il y a Crocodile qui est très très fort. Axenix, y'a Axenix, non. Pas Axenix. J'ai Axboon, je suis dans la merde. Axboon est fort. Ah non, c'est bon, je l'ai plus. Ah ouais, mais là ils sont deux par contre, faut pas arriver. Ah oui, donc on peut rentrer en mode défense dans les tours, ça, je sais. En fait, on est un tout petit peu plus fort, je crois, et dès que quelqu'un rentre dans la zone, on rentre directement en mode combat. Coup blanc, 4004, tout va bien pour Xenix. Bah, ils ont pris une tour, ils se sont barrés, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, c'est en bas, c'est en bas, en bas, c'est le Dawa. J'ai besoin d'aide entre les deux tours du bas. C'est en bas, c'est le Dawa. Ils sont 7, 8. Ils sont 7-8, ah d'accord, ils sont tous partis en bas en force. Ouais, et on a pris les 3 tours et j'arrive. Bah, j'arrive vers le bas alors. Il y a du level en plus. Hein. Ok. Ils sont deux contre moi là. Si tu vois Xenix, Daki. Ah, j'arrive, je vais essayer d'aider Jésus déjà. Je vais essayer d'aider Jésus. Ah, il y a Black Mamba, il est fort. J'ai en tué un. Si on peut venir sur moi, ça va être chaud. Black Mamba est chaud. Mais à 3 ça va. Donc voilà, les gardes de guildes, on peut s'affronter à 4 contre 4 en combat singulier, puis les gens ils peuvent venir dans la bataille au fur et à mesure si on voit que son ami a vraiment besoin d'aide. Mais là je crois qu'on va s'en sortir tranquillement. Moi j'en ai 4 hein, dans mon combat. Là ça va, là, on arrive, on démonte Draco Silva ouais, avec Black Mamba. 4 contre 1 je vais tomber. 4 contre 1 je vais tomber. Vous voyez là on voit dans le score de guild, la guild a gagné 57 points parce qu'on a 3 tours et la Slayer ont gagné 19 points parce qu'ils ont qu'une seule tour. Le but du jeu c'est d'atteindre 4000 points de différence. Si on atteint 4000 points de différence, on gagne. Sinon, faut attendre que le timer soit en timeout pour déclarer le vainqueur ou la tour tombe. Si la tour tombe, on déclare vainqueur également. Vous êtes à 3, hein. Vas-y, descends. Ouais, je vais descendre. Je suis avec Shaya, on essaye de se faire Xenix. On arrive. On est en haut. Moi je suis à cheval et ce qu'il faut savoir, à cheval on a 30% de vitesse supplémentaire. J'arrive auprès de Christophe là. Y'a Axtown qui va venir aider Christophe. Là-haut, sérieux les gens là, on va se faire pourrir. J'ai vu, ah oh, ils ont pris une autre tour, on est à 37 sur 37. Oh, et je crois que ça va être un combat serré. Ça va être un joli combat à mener, stratégique et tout. Oubliez-la, elle peut pas taper la tour. Merde, on m'attaque, y'a Draco Silver qui m'attaque, je sais pas ce qu'il vaut. Eh, montez en haut s'il vous plaît, si possible. Parce que là, Xenix, elle a même pas 50%, on l'aura pas souvent à cette... C'est bon, Draco Silver, il est à chier. Faut que tu tiennes le coup, Yannick. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval, on l'a au niveau 40, je sais pas si je l'ai précisé. Ah oui, si vous avez regardé les deux précédentes vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise sur toutes les petites subtilités du jeu. Je suis pas aussi nounouille que les deux premières vidéos. Et aussi, si vous nous rejoignez, bon, on vous donnera plein de conseils pour éviter de faire les conneries de noob, de vendre des parties d'armure ultra puissantes comme j'ai fait, ou des objets très très importants pour le craft comme j'ai fait. Donc on pourra vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur la première tour, hein. Xenix, faut la qu'est-ce que t'appelles le premier tour? Ah putain, bah, en haut à droite. Ouais. Non mais okay. C'est trop tard, d'accord. Ah, non. Il y a 4 flashs. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se séparer manuellement. Je vais rester sur cette tour en haut à droite. Je vais. Vas-y, moi je vais les aider, je vais monter en haut à droite. Ok, je vais rester sur cette tour. Oh, et vous dites. Que vous non, bah c'est bon, c'est mort. Bon, bah je vais en haut à droite alors. Ouais, mais là, pas en haut d'Aki, il y a Black Mamba, Xenix et Crocodile.
D'accord. Je passe par le bas et je vais aider. Ça arrive chez vous, ça arrive chez vous, ça arrive chez vous. De... Ah, il y a Axebone qui. Je vais essayer de l'intercepter. Merde, viens là, toi. Axebone, je sais pas s'il est fort. Sachant qu'ils vont essayer de nous intercepter, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. S'ils nous interceptent pas, passez, hein. Ça sert à rien. Il y a Crocodile sur moi. Putain, j'arrive pas à l'attaquer, quoi. Il lag. Putain, j'ai Black Mamba, je suis rentré dans. Avec Black Mamba. Les gens. Ils vont m'attaquer à deux, là. Ils vont m'attaquer à deux. Il y a Axebone, je sais pas du tout. Ah, je sais pas comment fait Cartoon et Dalton pour reconnaître les stuff. Rien qu'en en reconnaissant le stuff, tu sais quel niveau il est. Oui, il y a, oui, il y a, oui. Il y a Crocodile et l'autre. Et ça, Crocodile ça va, déjà, un, ça c'est par rapport à... Ils m'attaquent à deux en bas à gauche et ils ont l'air cheddar. Ils m'ont pris la tour en bas à droite. Hein. Ouais. Ok. Jeffrey, je l'ai allumé, Jeffrey. Là, je fais mon style pour recharger mes vies, mais à mon avis, il a une grosse, grosse défense. Ah putain, je vais prendre les potions peut-être. J'ai on a bête. On zappé. Ah, oui, prends les potions. Ouais, carrément. Alors, ce que vient de dire Cartoon, c'est très intéressant. On peut acheter des potions dans la guilde et dans les arènes qui nous augmentent temporairement nos statistiques en fait. Ce qui est très utile. Merde, Crocodile qui vient de rentrer dans la bataille alors que j'étais bon sur. Oh là là, ouah, je me fais. Oh, ils sont à 4 contre moi. En bas à gauche, help. Ouais, on arrive. Ça va être difficile, je pense que tu vas crever avant que j'arrive, mec. T'es en ligne avant en plus ? Bah, je suis en ligne tout seul. Oui, et t'as qui ? Bah, un archer. T'as juste un archer en face ? Ah non, eux ils sont 4 en face. Oh ! I am dead. Putain, y'a un gasoil dans notre camp. Ils y foutent là. Bon, ça serait con de crever d'entrée. Mais là, il y a Arbok, Zenix et Crocodile, c'est pas la peine. Mais comment ça se fait qu'ils ont plus de points que nous ? On a les tours depuis super longtemps. Quel tour il possède ? J'ai pas suivi là. En bas à gauche. Voilà, à gauche, c'est tout. Et on va tenter. Voilà, je t'ai attendu d'acquis. Parce que là, ils sont 3 et si on y va. Cherche pas, c'est Xenix, ce crocodile. Ouais, mais si on y va à 4, ça devrait être bon. Ah, mais il est rentré tout seul. Tiens, Geoffrey, il est tout seul. Allez. Ouais, putain. Mais ils vont se rejoindre entre eux. Bon, bah, ils rentrent. Je rentre. On va tenter. Ah, il y a Croco qui rentre. Croco, j'arrive à le tuer en défi, mais putain, je mets du temps, ça lag. Allez, du courage. C'est bon, pour l'instant, on mène, hein. On a 472 points. Et long les chargements. Putain, non, c'est pas elle qui peut tuer. Bon, tant pis. Eh, mais à 100, je suis en train de me rendre compte, ils sont à peine. Ils sont 7 là. Oh là là. Ils sont super balèzes. Oui, mais on a une bonne. On a une bonne résistance en face, quoi. Ça va pas être simple du tout. On suit le Black Mamba avec Gardien et moi. Putain, Granola est tombé. Ah non, c'est Grandalf. Dans notre team. Il est encore un peu faible. Je vais essayer d'encaisser un peu, mais ça va être chaud là. Les deux tirs, si je les passe. Ils font super mal. Allez, faut que je passe le bouclier avant eux parce que sinon je suis mort. Xerox et Croco, ils font super mal. Bah, tous, hein, les trois là. Ouais. Les trois, ils sont forts. Le truc, c'est de les occuper pendant ce temps-là, on a nos tours. Ah, t'attends, tu t'es fait défoncer le pion. Oh la vache. Par contre. On a réussi à les occuper assez longtemps, je sais pas. On est à 600 à 400, c'est pas mal. Bon, ils ont un peu tué notre tour. Ah, mais... Chayelle a pris la tour pendant qu'on était dans le palais. Elle a raison. Ouais, elle a raison. De partout. Bah là, ils vont arriver en bas. Hein. Ils vont arriver en bas. Ouais. On va essayer de les retenir en bas. Bah vas-y, viens avec ton cheval. Et Alisa derrière qui nous encourage. Qui nous encourage. C'est bon, on a récupéré cette tour là ? Cool. Ouais. Bon, on fonce vers l'autre. Par contre, c'est remonté, on a perdu une tour au-dessus. Il y a Crocodile, on revient en défense. Ah oui. Non, c'est bon. On va où là ? Je vais où ? Je vais Zenix, en haut ? Zenix là, devant. Ouais. En haut ? Ok, je vais en haut. Attends, attaquez là. Ouais. J'attaque Zenix. Je la laisse volontairement pour récupérer leur. Oh, le monde qu'il y a ici ! Gardien Slay ! Pourquoi il l'appelle pas à l'aide ?
Yes. Bon, Black Mamba est tombé. On va aller vers vous. Ah ouais, il les a eu. Bravo. Vous êtes où Ah d'accord, c'est la tour d'en haut qui qu'on n'a pas. Si, tu te l'as fait, Yohan, elle est facile. Hein. Oh non putain, Axbo. Oh, c'est bon, j'arrive. Ah oh, merde, j'ai pris Gasoil. Il est fort, Gasoil. Oh, il me fait 1500. Oh, je lui fais. Oh là là, ça va être un patch très très serré entre Gasoil et moi. Quoique, s'il me fait son bouclier, je suis mort. T'es où, Daki, exactement? En haut à gauche. Ah, mais là en haut à gauche, faut que j'arrive à passer avec Xenix et bon, je vais tenter. S'il me fait son bouclier, Gasoil, je suis mal. Ah, Yohan, ouais, mais non, mais faut que j'aille des. Ah, c'est bien, c'est bon, j'ai Shaya et Xavier, c'est bon. Pour Gasoil, c'est réglé. Il va devenir un super sans plan. Oh, eux ils font vraiment trop mal, hein, Shaya et Crocodile. T'as vraiment une différence impressionnante de niveau, même à 4, je suis pas sûr de pouvoir les. Eux, rien qu'à eux deux, ils protègent la tour de. En bas à gauche. Bon, je redescends en bas à gauche, c'est ça? Ouais. Je redescends avec Shaya, si jamais quelqu'un peut venir encore. J'arrive. Non, moi je vais tomber, Crocodile et Xenix font trop mal. C'est super serré là le match. Il est vraiment super serré. Il y a combien là au niveau de On est à 900 à 600. Ok. Ouais, je vous laisse, Geoffrey, hein, il est tout simple. Hein. Je vais continuer en bas. Ouais, vas-y, c'est bon, on a fini, on a gagné. Temps de sortir. Donc vous voyez à peu près comment se passent les guerres de guildes. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Franchement, au niveau 30, on y atteint super rapidement. Et puis en quelques jours, vous êtes 35 et 40. Et 40, vous avez le cheval. Et vous pouvez vraiment vous amuser tranquille. En combien ils sont 40? Eh, hey, je suis contre Dodi. Ouais. Non, je dis ils sont 30 en 2-3 jours. Et voilà, après niveau 40, ça se fait. Laissez-les attaquer la tour, ils sont pas assez nombreux pour péter la tour. Ouais, mais bon, ça me fait peur quand même. Non. Mais non, ils sont pas assez. Parce que ça serait con d'être bien et pouf, il. Allô. Non, t'aurais pas dû rentrer. Si, c'est Croco, je vous aide. Non, mais c'est mort. Mais non, c'est pas mort, je suis là. Non mais en fait t'es là mais t'es tout seul en fait. Ah merde, vous êtes par terre. Merde, vous m'aurez dit, je serais planté sur la tour. Croco je me le fais en défi. Oh la défense qu'il a lui. Comme moi Yon, c'est intense. Oh le heal qui s'est mangé. Oh le cheater. Oui, il a le heal 2. Le cheater. Oh merde, je vais me faire tuer. Bon, pendant la mort je vais pouvoir vous expliquer les subtilités des guerres de guildes, de ce qu'on peut faire avec les champs. Merde, j'aurais dû foncer sur la tour pour choper la tour. Bon, Black Mamba, il tombe. S'ils viennent pas l'aider, il tombe. Donc, on a des dires. En fait, ça doit être des chants. Donc, par exemple, voilà, là, ça, par exemple, on a excitation. Lors des prochains combats, tous les membres voient leur rage augmenter de 80 points. Mais ça requiert 10 000 de richesses de guilde. C'est-à-dire que il faut dépenser 10 millions pour l'activer. Là, c'est invoquer un PNJ qui peut infliger des dégâts à la tour d'enchantement ennemie. Ce PNJ doit d'abord déplacer jusqu'à la tour. 20 millions. 5 millions pour l'état d'invisibilité qui dure 120 secondes. Ça doit être bien, mais voilà, faut une guilde très haut level, quoi. Richesse, 50 millions pour restaurer de 30 points de vie notre tour d'enchantement. Donc ça, c'est vraiment du truc très haut level, faut surtout pas l'utiliser. Merde, j'ai plus de... J'ai plus de sang. On a perdu une tour encore. On a perdu une tour encore, il y a Shaya Kratchi, on peut l'attaquer. Merde, on va en utiliser plusieurs. Je vais en utiliser 20, voilà. Je suis avec Heroes et Akimori, là, je sais pas si ça va marcher. Et moi, je vais rester en défense, hein, c'est le mieux. Hein, parce que moi, tu sais, je suis un tank et... Ouais. Tu veux que je reste en défense avec toi? Non. Toi, bouge, tu bouges vite, t'es en cheval. Ouais, c'est vrai que je bouge vite en cheval, t'as tout à fait raison. Kev Squash. T'as des chevaux sous le capot. On est à 1500 sur 800. On va la jouer au timer. Hein. On l'aura jamais 4000 d'avance. Attention, il va être aidé. Ouais. Black Mamba, Best ouais. Of. Ah non, y a Christophe. Il y a Axbo. Vas-y, oh ouais, vas-y. Ah, il va être aidé. Il y a Christophe. Ouais. Je vous aide, j'arrive. Vous êtes déjà 4. Ok. Bah, je vais piquer la tour. Non. Vas-y. Ah non, elle est à nous. Ah non, elle est à nous. Elle est déjà à nous. Tout, ouais. C'est bon, il y a Shaya qui vient nous prêter main forte. Oh, t'abuses. Ah, oh, abusé! Vas-y! T'as une balle, hein! T'as eu l'ultime d'Aki? C'est clair! Ah, le sac à PV de ouf! Oh, il a tué Crocodile! Crachi! On monte!
Dodi, faut aider le Dodi. Ouais, Dodi est facile à tuer. Ouais, mais Luffy, il est pas stable. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis mort? C'est quoi? Je suis arrivé dans le combat mort. Crise cardiaque trop belle. Je pense que Dodi devait gagner au moment où tu. Laisse-moi prendre la tour. Moi, je suis entré. Ah, on peut pas être à plusieurs dans la défense? Non. Oh, on a les 4 tours, on a les 4 tours. Bah, je vais partir en défense en bas alors. Bah, là, la limite, on peut se mettre devant. Attends, il y a un bug, j'ai 2 Dodi. On essaie de les presser. On essaie de les presser pour pas qu'ils bougent. Christophe, tu peux te la faire? Non, ouais, mais pas Xenix. D'accord, j'arrive. Xenix, elle est vraiment trop forte. Ok. Ah, on a Crunchy, c'est bon. Mais même à 2 contre 1, ça marche. C'est bon, Crunchy, c'est un tueur. Ah, Crocodile. Oh la Crocodile, Christophe et Xenix, ça va être dur. Oh là, et Axbo. Alors c'est le duel des titans là. Non, faut focus Crocodile. Mais ça va être pas. Ouais, mais focus. Ah, fais chier, je focus Christophe. Ouais, j'ai essayé de venir. Hein. Y'a de la place ou pas? Non, on est déjà 4. Okay. Au pire, tu te mets à côté d'une tour. Il y a Xenix et Christophe qui sont sur la gauche là, c'est tendu du sol. Non, c'est bon, si je tape Christophe, faut que Croco il tombe, Christophe il tombe, on a peut-être une chance. Mais faut pas qu'il m'attaque. Oh putain, c'est bon, on a une chance, franchement on a une chance. C'est toi qui as le moins de PV? Ah non, c'est bon. Anna, il vient sur moi! Là, tu seras focus. Je suis pas mort! 350 points de vie! C'est bien, tu l'as fait. Ultime. Alors là, il n'y a plus qu'à espérer que Cap Squash. Vas-y, Cap Squash. Ah non, c'est Xenix au milieu. Ah, c'est mort. Elle va le tuer. Oh, elle fait son ultime. Ça dépend de Cap Squash. la fessée qu'il a pris. Oh, je suis mort. Yann, il reste Xenix qui a survécu. Il y a Xenix qui a survécu Help! Où ça? Help! Où ça? Bah, là où. Au milieu. Ah ouh! Ma bord! C'est bon, notre hôtel est pas trop mal, ça va encore. Oh là là, j'aimerais avoir le dada là pour courir plus vite. Bon bah, franchement, je trouve que c'est une bonne guerre de guilde. Ouais, pour l'instant, il y a du monde là. Enfin, c'est équilibré, on va dire. Elle est mise en défense. Elle est en défense. Nanana, tu peux pas prendre la tour. Ah d'accord, c'est ça, donc quand elle est en défense, personne ne peut prendre la tour. Tant qu'elle est pas tuée, d'accord, c'est ça le mode défense alors. Tant que la personne n'est pas tuée, on peut pas récupérer la tour. Ouais. D'accord. Bah en fait, tu te mets en mode défense et tu cours autour de la tour, la baie d'île. Oula, là, y a du monde là, y a du people. D'accord, donc c'est l'utilité de passer en défense. Y a le gardien qui demande de l'aide. Où ça? Oula, Crocodile, Xenix et Axbo, les gars, en haut à gauche. En haut à gauche, Yannick. Ouais, mais Crocodile Xenix, c'est mort. Axbo, c'est les trois les plus fortes de leur guild, c'est mort. Ouais, mais non, Axbo, je me le fais. J'ai pas réussi. Axbo, c'est une quiche. Non, mais déjà, les retenir, au moins les retenir, m'aider à les retenir. Reste en défense, je te sens, moi. Oh, ils m'ont déboîté, c'est violent. Je suis mort. Ils m'ont déboîté. Oh la vache. Yeah, on a récupéré 4 tours sur 4. Oh merde, je crois que j'étais mort, mais non, je suis pas mort. Bon. Oh non, Crunchy, t'abuses. Je peux pas venir. Ah, les Genesis sont remportés contre les Sanctuaries. Il faut savoir que les Genesis, c'est la première guilde du serveur. Sanctuary, il me semble que c'est la troisième guilde du serveur. Il y a Wartune qui est la deuxième guilde. Il y a une sacrée différence entre les. Ouais. En fait, Apocalypse, c'est la. Troisième, Genesis. Et il y a Sanctuary dans le. Ouais, Sanctuary. Loin devant. Oh là là, ils vont prendre la tour. Ouais, Cap Squash, reviens. Ouais, bah tu me diras s'ils les occupent. Ça passe aussi, mais. Je vais où? En haut ou en bas? En haut, il y a un Knoo d'acquis. En haut. Parce que là, ça arrive, c'est. Attends, je reste en défense, moi. Voilà. Ouais, mais en fait. Ah, c'est bon, j'ai Xenix en tout seul. En mano à mano. Je sais pas si je peux me la faire par contre. Ah, mais on fait trop mal! Nous on a Guigo et Christophe. Laisse tomber. Oh, je suis mort. Je lui fais 400 de dégâts, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est quoi ce monstre de Xenix? Xenix, c'est un malade. Je lui fais rien! C'est violent!
Je vais lui faire ma furie, je vais rigoler. Et encore, elle a dû acheter une potion parce que tout à l'heure on lui faisait vla les dégâts. Enfin, on l'a descendu à 10 PV, même pas. Et là, on n'arrive même plus à descendre, c'est chaud. Ah, oh, je lui ai fait 3900. Bon, allez, Ah, il y a Cratchy qui m'a rejoint, il va peut-être pouvoir tourner la balance, mais c'est mort là. Tourner la balance. C'est pas ça qu'on dit. Non, faire pencher la balance. Ouais, voilà. La balance, voilà, ouais. Ça dit quoi, j'arrive même plus à m'en souvenir. Tourner la balance. Ouais. Tourner le match en notre faveur ou faire pencher la balance. Ouais, voilà. Oh, c'est bon, on va l'avoir. Je suis mort, mais il y a Cratchy qui va. Vas-y, Cratchy. Je t'aime, Cratchy. Cratchy va récupérer la tour sûrement. Elle l'a tué ? Ouais. Ah c'est bon, on a 3 tours sur 1, ils ont perdu une tour. Moi je suis toujours en défense, mais je vais peut-être m'avancer. Il y a une tour au nord-ouest ? Elle est prise là, ou pas ? On est en pleine bataille, c'est quoi le nord-ouest ? Nord-ouest, ouais, il y a deux fights au nord-ouest. Tu peux pas dire gauche-droite ? Bah non, nord-ouest c'est... T'écris N-O d'Aki, et comme ça c'est tu sais quoi. Bah oui, mais... Non mais c'est pas toujours pas... C'est où l'ouest ? En c'est haut, à gauche. Ah voilà, merci, c'est ça. Le sud-ouest, tu sais où c'est, ça se trouve quand même. Ouais, bon, tu sais, au pire, à bâbord, à tribord. En haut, à bâbord. Ah, oh, Xenix, 1 contre 4. Ouais. Ouais, c'est faisable, 1 contre 3. C'est moi qui suis visé ? Ouais, bon. Mais en un coup, elle nique mon bouclier, quoi. Oh là 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 là. Dodi. Oh là là là. Oh là là, au secours. Je fais que dalle comme dégâts. C'est vrai. En plus, j'ai pas de rune de défense. Oh là là, elle fait sa furie. Oh Xenix, faut que je regarde sa puissance avec Xenix et Nunix, mais c'est violent. Encore pire que Sonix. C'est clair, c'est même pas une lame qu'elle a, c'est un Twix. Il faut vraiment le set Talibor. Hein. Ah ouais, jeu 7 et match. Non mais le set complet, hein, parce que là c'est chaud. Ah bah j'ai hâte, dès que je suis 45, ça va envoyer du boule. Non, ça va envoyer du boule, ouais c'est ça. Putain, elle a son bouclier là. On peut la voir si elle avait pas son putain de bouclier là. Non. Ouais. Oh, je vais la voir. T'as une rune d'Aki, t'as des runes, t'as quelque chose? Ouais, j'ai deux potions. Non, mais t'as des runes en combat? Ah oui, c'est vrai que j'ai des runes, j'utilise des runes. C'est le moment de les utiliser, je crois. et puis tu peux faire des deux styles que ça? Non, quand t'es archer, tu peux faire que ces deux là. Comment ça? Non, essaye les 3000 points de vie! Et je pense qu'il va falloir aller chez Daki un jour ou un autre et lui montrer comment on se joue son archer. Non mais ouais, c'est qu'en fait, tant que tu... Daki, t'as une rune critique, t'as une astrale critique. Ouais, j'ai une astrale qui est très très bonne en critique. Okay, bah normalement, tu fais ton coup de zone et c'est bon, tu chopes 25 PV, 25 de rage. Hein. Non mais là, elle a une putain de défense. Ouais, j'avoue. Ouais. Elle a une putain de défense, là, c'est autre chose, un Xenix, la vache. Faut 4000 points de différence. Ouais. Quelqu'un peut aller voir où elle en est, là, leur tour, à eux. Bah faut que j'arrive à me faufiler jusqu'à chez eux. Si tu peux aller voir, vite fait. Ouais, je vais voilà. Descendre par le bas. Je vais essayer de descendre par le bas. Tu vas descendre par le haut, c'est chaud. Ça va. Tu sautes de la fenêtre, là. Ouais. Il y a Dodi. J'ai plus où on est. C'est chaud, là. Ouais. Oh, trop de dégâts. Ah non, putain. Ah même moi je fais rien. Il vise Darylia, c'est pour ça. en tout cas, c'est notre plus belle bataille de guild. Hein. Quoique bon, les précédentes étaient très très bien. Parce qu'il faut savoir aussi que dans les précédentes, on a fait deux guerres de guild où il y avait strictement personne en face. C'était un gangbang à 4000.0. C'était une super bataille. Et une autre guerre de guild où il était tout seul, je crois, où ils étaient deux. Par contre, je parlerai pas de celle où on s'est fait violenter contre le mur par Sanctuary, où ils étaient à 40 cheval et nous une dizaine. Oh, et Chevaux. Crocodile, il s'est sifflé. Chevaux. Attention, égalité au niveau des tours. Ouais,
Non. Ah, ils ont pris, ils ont 3 tours. On est en train de perdre. Ils sont en train de renverser la vapeur. Il y a Black Mamba en bas. On est avec Xenix et Crocodile, donc reprenez les tours. Ils sont en bas, ils sont en bas. Avec qui il a pas dit, ils sont en train de renverser la balance. Non, la vapeur. Ils sont 7. Faudrait qu'ils soient 30 pour la détruire. Ça sert à rien de rentrer. Oh putain, mais tu vas la voir. Oh là là, mais c'est mort pour choper la tour là, ils sont trop. Bah laisse-leur et tu bouges d'aki. Tu vas prendre une autre. Ouais, ouais, mais faut que je fasse tout le tour. Bon, c'est pas grave. En haut à gauche. C'est ça. Crocratine en train de manger sec. Il est tout seul. Allez, go. Oh, je suis tout seul. Non, je suis mort. Non, rentre pas. Hein. Trop tard. Bah, t'es mort. Ah, j'ai le temps de cliquer à côté. Ah non, c'est bon, je suis rentré. Non, t'es mort. C'est bon, je suis tout seul contre Croco. Ah, mais ils vont venir, les autres. Ah, Croco, je peux me le faire. Ah oui, c'est vrai que je t'ai dit, Croco, je me le fais. En défi. Croco, je me le fais dans les défis. Mais s'il reste tout seul... Allez, faut que je le tue avant que les autres s'y rappliquent. Eh, merde, il rapplique. Fuck. Ah oui, il y a Shaya qui me rejoint. Bien. Ah, je suis prêt depuis beaucoup de vie. Cap Squash, oh oui, Dalton X, oui, venez, on a une chance. Oh, t'es mort. Non, je peux me mourir, il me reste 42 points de vie. Non, t'es mort, t'es à terre. T'es en train de bouffer les puissants lignes. Non, moi, il me reste 42 points de vie sur mon écran. Ah merde, je suis tombé chez toi. Oh la haine. Oh. Ah la vache. Vas-y, vous pouvez on les avoir. On devrait gagner. Ouais, ou les... sauf s'il y a Croco, sauf s'il y a Bidul qui rentre, mais vous devriez partir, réussir. Putain, il s'est passé. C'est bon, on a gagné. Yes. Oh, putain. Chaud. Putain, Xenix et... Allez, vas-y, on se fait Xenix. Je suis pas sûr. Vas-y, rentre. Hein. Ça y est, je suis là. A 4, oh si c'est faisable, s'il est tout seul c'est bon, on est bon. Je crois qu'il est à faire. On a vu le tour. Y'a quelqu'un en défense de la tour ou pas? Quelqu'un s'était mis en défense ou pas? En haut à gauche y'a Xenix qui s'était mis en défense, mais on est rentré tous les 4 contre elle. Ah oh, donc voilà. Putain, du coup je peux pas prendre la tour, putain. Ouais, elle a fait pouce. Ah ça y est. Oh, ce que c'est mangé. Oh, elle aime ça, hein. Oh, t'aimes ça, hein. Elle sait ça, un sale oiseau. Oh là là. Oh là là, on lui rend ce qu'elle nous a mis tout à l'heure. Et voilà la puissance de la guilde. La cohésion. On ne forme plus qu'un. On est Megazord. Non. Alors ça, tu fais une ellipse, s'il te plaît, merci. T'es gentil. Hein. Bon, faut pas déconner. Quoi. Sinon, t'es le rose, Daki. Hein. Ouais. Ah non. Ah oui, t'as cru que t'allais être le blanc ou le rouge, là. Non, tu seras le rose. En honneur à tes chaussons. T'as déjà les chaussons. Attends, je vais chausser Exbo, là. Allez, cours. Tu as chaussé ou chassé? Chasser, moi bon, je vais le chausser quoi. Si j'arrive avec mon cheval, je vais. Je peux pas prendre la tour, hein. C'est moi qui suis en défense. D'accord, je vais le chausser comme un chausson. Sinon, tu vas le saboter. Oh, c'est beau! Putain, elle court vers la tour exprès pour pas qu'on la nique. Je vais gifler. Reviens ici. On peut dire qu'elle a une santé de cheval. Oh là là. Allez, il nous reste 8 minutes. Mathématiquement, on a gagné. Ah, normalement c'est bon, là, franchement s'ils arrivent à renverser, c'est vraiment qu'ils arrivent à détruire notre tour. Là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous mettre à Demon Slayer, nous rejoindre sur le serveur 6 et surtout venir combattre en guerre de guilde. Les Genesis. Je te laisse un Yon, je vais protéger l'autre. Évidemment aussi on joue vraiment pas pour, un truc que j'ai pas dit, c'est on joue vraiment pas pour dominer le serveur et avoir un template de ouf. Enfin, sauf Cartoon, mais... Quoi, tout ça parce que je suis monté 38 en une semaine. Voilà. Et
on joue vraiment pour la, on joue pour la détente, pour le fun, pour passer du bon temps. Même quand on se fait gangbang 4000 points à zéro pendant une guerre de guilde, on rigole, on prend notre pied, on s'amuse, on s'éclate. Il y a toujours une super ambiance. Bon, les membres de la, les membres de la guilde, Cap Squash, Scratchy, Cratchy, Gardien Slay, Shaya et les autres sont d'une sympathie sans nom. Donc vraiment, vous pouvez nous rejoindre. Il reste une trentaine de places. Je crois qu'on peut accueillir 70 personnes dans la guilde. Donc voilà, n'hésitez pas si le jeu vous en dit. Il est très addictif. Et très sympathique. Et chose essentielle qu'il n'a pas précisé, serveur 6. Serveur 6, Keritlan, bien sûr. Voilà, et il y a beaucoup de monde qui joue, sans, c'est un free-to-play, mais évidemment, il y a ceux qui payent pour avoir des avantages, mais beaucoup de monde qui joue sans payer, sans être VIP, et ça va, il n'y a pas trop de différence. Le seul avantage du VIP, c'est surtout de pouvoir zapper les files d'attente quand on améliore ses bâtiments. Voilà. Enfin, Et c'est quand même assez énorme. Voilà. Mais il y a des hauts, il y a des très hauts levels qui sont pas VIP et ils s'en sortent très bien. Nitrox en ligne. Ah, Nitrox en ligne, c'est bon. Premier du serveur, le Vla. Ah, Gandalf. Il va la faire tenir un peu plus longtemps. Allez, au prochain tic, dans 30 secondes, c'est fini. Il faut 4000 là, de différence. Hein. 4000 de différence, mais je crois qu'à 5000 ça coupe. Non, mais de toute façon, il reste que 4 minutes. Ça y est, on a tous les tours. Oh, ça c'est cool. 4008, c'est moi, j'ai Cap Squash. 4008. Cap Squash, il est bon, putain. C'est mangé 4008. Il lui a fait un squash avec son épée, viens. Ah, je te jure. Ah, il s'est mangé les 3 rebonds des 4 murs différents, quoi. Non, là, il s'est mangé le coup d'épée, et en fait, avec le coup d'épée, il l'a enterré avec. Ah, c'est clair. Et il y a la terre qui s'est rabattue par-dessus. Non. Oh, il y a Dodi, ça, c'est vite fait. Xenix. Ah, merde, il y a Xenix, ça, c'est moins vite fait. Il y a Scratchy qui demande de venir détruire leur tour, mais... On a gagné. Ça y est, on a gagné. Wouh. Yes. Ça c'est bon. J'ai pas eu les points. Ah si. Où ça? Putain, c'est les Deep Sonic Bestiaux aussi, ça fait du bien. Tu les as eu? Tu les as eu? Enfin, je les ai vus dans l'info, en bas à gauche. Ah oui. Wouah, 700 points d'honneur, 700 médailles et Deep Sonic Bestial. Eh, t'as vu, c'est 700, c'est pas 800. Mmh. Oui, parce qu'on on a fait en moins de... On a fait trop long, tu sais, c'est trop long, donc, oui, trop le long, score a descendu. Ouais. Voilà. Oui, plus on les bat vite et plus notre score est bon. Récompense. Et plus eux tiennent le choc, plus les perdants tiennent le choc, plus leur récompense est alléchante aussi. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Dissonic Bestial, donc je peux améliorer mon cheval. Vous voyez, le cheval se présente comme ça. Pour l'instant, donc, j'ai force plus 35, endurance plus 30, armure plus 25, donc je vais finir d'augmenter la force. En fait, j'ai pas vraiment de trucs, donc j'augmente... à égalité. L'intelligence, je l'augmente pas puisque c'est pour les magiciens. Et je vais user les 7 autres Psionic Bestiales là-dedans. Votre guild, le samedi 20 à 21h, fera la guerre à la guild Shinra. Shinra. La Shinra, on affronte ? C'est bon, ouais. Donc, guild fera la guerre à la Shinra. J'ai noté ça. Demain, non. Si, c'est demain. Attends, on est quel jour ? Mais non, c'est samedi, c'est samedi. C'est vendredi, c'est demain. Ah putain, on est vendredi. Eh mais je sais plus, avec mon lundi, jeudi, samedi que j'ai cette semaine, c'est waouh. Donc on va affronter la Shinra. Ils sont combien? Ils sont combien dans leur cible? Ouh, ils sont sixième, ils sont beaucoup plus forts. Ah, ouais. Quoi que tu me diras, non. Les Slayers, 296 000, la Shinra, 312 000. Donc ils sont un tout petit peu plus forts. Ouais. Franchement, d'ici là, ça reste jouable. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on va se battre pour la 5ème et la 6ème place du serveur, quoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc là, ça, même si on perd, là, si on perd, on est 6ème et ça, c'est quand même beau, quoi. Ça, c'est très très beau. Ça, c'est vraiment fun. Ça, c'est magnifique. Magistralement. Non, magnifique. Non, c'est magnifique. Ouais, comme vous pouvez le voir, la guilde est niveau 4. Ça avance très très bien. Ah, et ben je suis très très content. Ouais, 700 trucs, c'est nickel.
Et sur ce, on va clôturer cette vidéo. J'espère que la guerre de guildes vous aura donné envie de rejoindre ce petit jeu bien addictif et ô combien sympathique. En attendant, moi, je vais aller me faire la patte sur le champ de bataille. Voilà, le champ de bataille, je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans la précédente vidéo. Je crois, je suis même pas sûr. Mais bon. On vous fera une petite vidéo au cas où. Voilà, il reste encore plein de choses à découvrir sur ce jeu, donc n'hésitez pas à venir. Très addictif, très sympa. Donc voilà. Allez, salut les bye à les amis. Oh là là, 3, 4. Salut les amis, prenez soin du rock'n'roll, prenez soin du guacamole, et à bientôt. Salut tout le monde, au plaisir de vous voir sur le champ de bataille. Salut tout le monde. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas d'avoir du bol. Voilà. Et lol. Je me rappelle. Non, mais lol quoi. Et allez en vacances à Paimpol. Tiens, non, je me suis. C'est là, ils ont vraiment pas de bol. Tu sais, j'ai acheté un sandwich aujourd'hui chez Paul. C'est Jacques qui t'a servi ? Non ? C'est Jacques qui t'a servi ? C'est quoi, Jacques ? Tout le monde n'a pas compris le jeu de mots. Tu peux nous le sortir, s'il te plaît ? Ça va être un coup avec Pierre, Paul, Jacques, mais j'aurais dû enchaîner avec Pierre, peut-être. Pierre, ah ouais, c'est peut-être ça. C'est ça. Ah d'accord, ouais, donc c'était très cher. Oh ouais. Putain, fort cherché. Allez. Mais non, sur le champ de bataille, je contre Xenix. Ah tiens, il a compris. Ah la vache. Eh bien, Xenix, mais comment ça se fait, Xenix, il est chez toi, il est pas chez moi ? Non, Xenix, il a les griffons 39, elle est 39 à mon avis, Xenix. Oh putain, 39 aussi forte. Yannick, on peut faire les instants ?